RDC est une et indivisible. Que la population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Prenez rendez-vous MKB officiel chaque jour pour boyer l'actualité. Ils ont formol parce que dans le monde, formol les a à tous les niveaux, même dans la cause, même dans la députée. Tout le monde, basalé ko beta baninga formol ça décret, ça dépend décret. Il y a bande de les deux alliés samedi. Bon, baye bazo souhaiter, bazo fêter joyeux anniversaire. To souhaiter bino bande gognon so bazali to petit nous merci na première émission to bisa bino ke nde ko moko azala ki joueur baye baye biye a se pemi sa biso moi-même je me souviens na la la libanda d'ailleurs à l'époque j'étais na koko nanga Sidoni Mbemba Chikaya j'étais chez elle alors je me suis retrouvé que prendre contre le match kasoma courando na kimoto ba joueur ya époque wana ko bazala ki wana donc dit kasoma courando kimoto musuna mamale emeka donc alors regardez il n'est plus en vie pour retenir que yewana kufi. On a évité le bloc à Boye, pour qu'il y ait des complications, et il y a des complications. Il y a des complications. Alors, quand on a un gars, il faut retenir que Ndenge Makambozo Tambola, Awa, Tozalina, la vérité, tout le monde, Makambo Bele, où ils allaient Koleka, Nangambo Moussous. Tomoni, en tout cas, bandeko mingi, bazaliko sajite, ba vérité bimi epai. Procès, il y a Moïse Katumbi eske pa kozala, parce que ba vérité bimi moi mingi. Alors, eloko zoka musangai, ba tbazo mituna mituna, bokoye ba yango, ndeko moko, o ya zali na cabinet privé ya Moïse Katumbi. Mais à se retrouver conseiller il y a AG il y a ANR donc mbutu bakangi pe ya sambi procès oyo elakisi makambo ebele menangambo mususu bo retenir que mwana ya Christian Malanga na ba mususu ba zalipe vraiment ko pesa makambo oyo Ezali. Alors, nous sommes dans une émission ya lelo. Donc, on est obligé de aussi que quelques grandes lignes avant de retenir na na détaillana pour retenir que la RDC via son président Félix Tshisekedi s'est retiré du sommet des dirigeants régionaux de la communauté d'Afrique EAC en réponse aux récentes déclarations du président Kenya William Ruto, qui a exprimé son soutien à Kigali dans les conflits en cours dans l'est de la République démocratique du Congo et l'Ouganda, sont accusés d'ingérence dans les affaires en République démocratique du Congo. Donc, les gens sont makambo ya kobangate na mission de Bosso na ibisaki bino ke fatia boyaki na ye mais awa. C'est clair, Félix Tshisekedi a mis Bendi na EAC, a zalé ko akize
président ya Kenya na ya Uganda Museveni bon Kamere ya zoki courage azela kité akende parle de la cuillère ya ko cité le bi pas sotoza nango tolongola Uganda te Uganda pe ayebi quelque chose na likambo oyo ezali ko komela biso donc pour na bango esengeli Congo a retrouvé noblesse naïba lungwa place wana gouvernement Judith Suamino apprête recommandations les caucuses des députés nationaux afin d'étoffer son programme d'ailleurs il faut voir que dengue toujours sa l'émission awa bakenda déjà kotika mukanda hein ya Judith Suminwa bati batika kiyango akotana kena Vital Kamerhe atiki nini na ye ya gouvernement et singeli maintenant Kamerhe azwa babenga ba député obaya ko usambwa baya ko samba ya ko siéger allais-je dire pointé ba investir gouvernement mais je vous dis que Vital Kamerhe ayambi déjà j'ai dit soumis notre premier ministre au débat sur le là tout autour il y a les Cambois d'abord trouvé un compromis arbitre Moko a sifflé que Matia OC Renaissance na FC Tanganyika arbitre wana ba fanatique tout ba supporter si ya OC Renaissance vu que le quoi ne veut Moko na Moko l'équipe ba kimi koko yiba bwakela bango bila kelema be ba koma kula ta ba ble na bani alors ba kiti na deuxième division je veux kiti na deuxième division mais nangambu mususu ba kei ba beto kopi du Congo ba nyiki bango lisusu alors kanda na bango na nzoto arbitre ba bet arbitre entre la vie et la mort alors je me suis posé la question sukoyo police Azala qui wap pour babette vraiment motolokola kabujukanoma yezali vraiment mabe makasi alors comme to le but que to kobeta pe masolo ya coup de temps de to kofandela maître Richard Bondo aza avocat de préveni avec l'assistant des avocats il y a le respect de l'état des droits tel qu'il est prôné par le texte qui régissent la République démocratique du Congo. C'est trop tôt de parler de l'extradition. Donc, monsieur Mobimba Siri Yango, pour que nous avons une possibilité d'extrader Batouana Ezali. Alors, pour retenir qui procès de présumé auteur du coup d'État raté, tous les prévenus présents sauf Christian Malang et Aboubakar tués le 19 mai 2024. Donc, il y a un pouvoir quand Christian Malang a été Koufi et Aboubakar. Aboubakar a été là qui et pas à Kamerhe. Donc, tant que il y a un drone pour le salaboué, tant que il y a un infrarouge, il y a un sous-souté de Talia Aboubakar. Ba betie akufi donc batu nyonso nde ba ki po bazo pouvoir en tout cas bazali sauf des personnes wana nde bango bazali un peu na problème alors na Ituri pour retenir que ba groupe armé bazali ko se organiser pour s'affronter à Djougou armé bazali ko alerter yango armé ko alerter te yo pe beta bango te ko alerter réseau cela bien voilà au moins autre qui peut pour quelques annonces hein na bas titre mais tu as besoin de la psycho pour tomber ta du solo au abisso nabino alors regardez confusion moko et salami bande konangai tu sais quoi, bah tu vas aller pour comprendre. Ndekomoko, Kombo naye ezali Christian Malanga. Alors,
Christian Malanga, beaucoup moins dans la photo, est-ce que et comme mon ana, botala, azope ça na mbote na ndeko oy, hein? Ma pièce ça n'imbote, c'est dans ces communiqués là, est-ce que ça lisible? Beaucoup moins de peine de quoi na ndenga zali ko samba, hein? C'est pas visible, hein? Donc na coin wana Christian Malanga oyo ndeko azo sala makambo ya coup d'état ba pesa ni mbote na ndeko moko oyo azali conseiller stratégique ya AG ya ANR Lusadisu. Alors eloko bisoto moni ezali un peu compliqué yangoa a janer Lusadisu aye kopesa na bazalaki ensemble bokotala na article wana basali même mutuka oyo Christian Malanga ye nango ezali mutuka na ye. Alors bon, retenez très bien qu'azali conseiller stratégique de Bazali Koloba. Alors, les Hyundai que la bande Malanga avait utilisé appartient à Jean-Jacques Ondo. Jean-Jacques Ondo Azali, conseiller de l'AG de l'ANR, dotation de l'ANR. Le soir du 19, Ondo a participé à la réunion de sécurité. Alors, comment comprendre ce que Mutuna Yangowan? Comment comprendre que Ondo, conseiller de Katumbi en matière de sécurité, est très critique envers le régime de Tshisekedi, est devenu conseiller en matière de réforme de l'AG ya ANR? Donc voilà les photos namoni dondi azu yango s'il prêt à go balancer biso nango bomona jemo ko salami na avant to koyoka ye na hein na vidéo mais d'abord bogolanda photo tokotala photo wana. Le monsieur s'appelle Jean-Jacques Ondo. Donc Jean-Jacques Ondo Azali, conseiller qui s'occupe na makambo ya réforme. Alors na butu oyo ya le 19 ezalaki na réunion moko ya sécurité, Jean-Jacques Ondo a participé. Alors mais mutuka oyo ya Hyundai oyo bande ya ba malanga ba utilisaki ezalaki mutuka na ye, hein? Ezalaki mutuka na ye. Alors bato bazali mituna mituna, comment muntu azali conseiller ya age ya ANR ami retrouvé na likambo wana et comme si bato ebele bango wana bokotala yewa nazana Christian Malanga bomoni bazopesa na mbote. Donc azali conseiller chargé des réformes na niveau ya ANR. Alors menangambo mususu ce pays soligne yo comprendre ngoko tokozo vertige nangambo mususu. Le monsieur azali na cabinet ya Moïse Katumbi. Je veux vous lire la décision. Décision numéro 015. Ensemble pour la République. Na 2018. Du 2 juillet 2018. Portant nomination des membres du cabinet du président. Le président d'ensemble. Vu la constitution, tout ça n'a sauté, décide son nommé membre du cabinet du président.
les personnes dont le nom suivent. 1. Madame Dominique Munongo Inamizi. 2. Monsieur Francis Kalombo Ntamboué. Donc, Madame Munongo Azali, conseiller chargé des relations extérieures et de la coopération internationale. Monsieur Francis Kalombo Ntamboué Azalaki, comme conseiller chargé des questions électorales et porte-parole adjoint. Tozana, Monsieur Jean-Jacques Wondo, Sotana Lis Azali, conseiller chargé des questions de défense et sécurité. Donc, le monsieur que vous voyez chez Christian Malanga, le monsieur que vous voyez chez l'AG Yahaner, Yewana Azalipe, Katumbiste et à première heure, Azo travaillé dans le cabinet. Hein? Exacte, vous savez, non, Azo dans le cabinet, il y a Moïse Katumbi. Alors, mais tout le monde a une réponse. Il y a Azo dans le cabinet, il y a Katumbi. Comment a commis na kati ba renseignement dede comment mutuka na ye yundai nde ba pensi Christian Malanga batambola nango qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est pourquoi bomoni dans la foule le monsieur le sadis soazala ki penza balongola ki ye akutana ki na ye wapi et yango monaka la plupart ba déclaration ya ba makambu nyonso ezaka ka flou nzoka ezana ba enjeu moko très compliqué bolanda ka vidéo moko awa bazole ki sa makambu ya Goma balobi parti ensemble ya Moïse Katumbi bazo préparer boina boy bomona ki ba wanga na ki yango mais maintenant quand vous regardez le monsieur où il y a un malanga, monsieur Yewana Moto, a pensé qu'il y a un moutouka, a zappé dans le cabinet, a zalaki parce qu'il y a une société, a zalaki dans le cabinet, mais en entretemps, en dehors du cabinet, il y a Aja Aner, a zappé ce qui conseillait chargé dans ma campagne de défense chez Moïse Katumbi. Il y a un moment où il y a un moutouka. Oui, c'est vraiment un lien. Na ba makambu ya boy na boyo kumona ke ezali makambu za tellement clarté yangu sur roche na ba makambu belé et nous devons même comprendre que c'est pourquoi Congo ezambo kamoko très compliqué. Alors nde tang ba bandi procès le messier bakanga kiye bakangiye nde baye na ye pou basambisa ye je crois beaucoup mona ye pe beaucoup yoka ye ndenge ni na se défendre ba balatisi ye déjà il ko bandi ko tanga ba diplôme so ki 50 réforme Belgique tout ça mais est-ce que boye bini kambo ba kangela ki Salomo Kalonda makambo be oya makambo ya sécurité mais est-ce que tokoki koloba ke c'est à cause ya eloko wana nde ba salima be nous disons non c'est pas le cas il est grand temps to luka moyen ya kosala makambo nyonso na tinete mboka na biso République démocratique du Congo et bana ko retrouver vraiment honneur nango le service babenga kango service d'intelligence babenga kango service de renseignement on ne gagne pas la guerre parce qu'on a nécessairement les armes on gagne la guerre parce qu'en premier lieu otozali na ba information. Et nous pensons que
biloko ya boye sengele te ya biso. Mais maintenant, ce qui déjà na niveau ya âge ya aner muto qui s'occupe des réformes, certains azam muto moko zo maîtriser te. C'est pourquoi Bouboni même on est au président Zobunda bitu baza boye partout à l'interne, mais bazo travailler pour nous déstabiliser Mboka. Et là, ça nous fait très très mal. Batounyo sur la Mboka Moussous. Quand il s'agit de la Mboka na Bango, il y a un engagement. Quand il s'agit de la TV et Radio T, je vais vous laisser vraiment suivre Ndekoana, Jean-Jacques Otto, Azali na cabinet, Azalaki na cabinet, Yage Yaner. Maintenant là, Azali, Azalaki déjà, peu près pour Anna Longote, Azaka membre maintenant, il y a cabinet, il y a Moïse Katumbi. Koto Katumbi, Koto Tisegui du côté Malang. Mais Aza au Kerry a pouvoir. Ensuite, on va revenir juste après. J'ai une licence en criminologie de l'Université de Liège. Je suis diplômé de l'École royale militaire belge. Je suis aussi détenteur d'un PV de hautes études de sécurité et de défense de l'Institut royal supérieur de défense belge, où je donne régulièrement des séminaires chaque année sur la réforme des services de sécurité en Afrique. Ok, le dernier diplôme c'est... Le dernier diplôme, c'est Hautes études en sécurité et défense de l'IRSD, l'ancienne école de guerre. En quelle année? En 2016. Votre profession? Je suis conseiller, jusqu'à mon interpellation, j'étais conseiller principal de l'AG de la NER sortant. Mais j'ai aussi d'autres... Attendez. Conseiller principal? Chargé des réformes, de la réforme de la NER. De l'âge sortant. Mais en parallèle, je suis chercheur, analyste, expert des questions de sécurité, de défense et de géopolitique de l'Afrique média et de la RDC. Et j'interviens régulièrement dans les médias internationaux quand il y a des questions qui touchent à la sécurité. Il faut aussi la voir comme ça, on te suit. J'interviens régulièrement aussi dans les médias nationaux et internationaux. En tant qu'analyste sur les questions géopolitiques, sociopolitiques et sécurité et de défense. Merci. Je suis aussi écrivain, auteur de 3 ouvrages sur les armées du Congo et sur la sociologie militaire africaine. Merci. Votre état civil? Je suis marié. Le nom de votre épouse? Kayende Ndaya Nathalie. Vous avez combien d'enfants? Je suis père de 4 merveilleux enfants. Ok. Religion? Protestant. J'ai une licence en criminologie de l'Université de Liège. Je suis diplômé de l'École royale militaire belge. Je suis aussi détenteur d'un PV de hautes études de sécurité et de défense de l'Institut royal supérieur de défense belge, où je donne régulièrement des séminaires chaque année sur la réforme des services de sécurité en Afrique. Ok. Le dernier diplôme, c'est... Le dernier diplôme, c'est Hautes études en sécurité et défense de l'IRSD, l'ancienne école de guerre. En quelle année? En 2016. Votre profession? Je suis conseiller, jusqu'à mon interpellation, j'étais conseiller principal de l'AG de la NER sortant. Mais j'ai aussi d'autres... Attendez. Conseiller principal? Chargé des réformes, de la réforme de la NER. De l'âge sortant. Mais en parallèle, je suis chercheur, analyste, expert des questions de sécurité, de défense et de géopolitique de l'Afrique média
et de la RDC. Et j'interviens régulièrement dans les médias internationaux quand il y a des questions qui touchent à la sécurité du pays. Faut aussi la voir comme ça, on te suit. J'interviens régulièrement aussi dans les médias nationaux et internationaux en tant qu'analyste sur les questions géopolitiques, sociopolitiques et de sécurité et de défense. Merci. Je suis aussi écrivain, auteur de 3 ouvrages sur les armées du Congo et sur la sociologie militaire africaine. Merci. Votre état civil? Je suis marié. Le nom de votre épouse? Kayembe Ngaya Nathalie. Vous avez combien d'enfants? Je suis père de 4 merveilleux enfants. Ok. Religion? Protestant. J'ai une licence en criminologie de l'Université de Liège. Je suis diplômé de l'École royale militaire belge. Je suis aussi détenteur d'un PV de hautes études de sécurité et de défense de l'Institut royal supérieur de défense belge, où je donne régulièrement des séminaires chaque année sur la réforme des services de sécurité en Afrique. Ok. Le dernier diplôme, c'est... Le dernier diplôme, c'est hautes études en sécurité et défense de l'IRSD, l'ancienne école de guerre de Belgique. En quelle année? En 2007. Votre profession? Je suis conseiller, jusqu'à mon interpellation, j'étais conseiller principal de l'AG de la NER sortant. Mais j'ai aussi d'autres... Attendez. Conseiller principal? Chargé des réformes, de la réforme de la NER. De l'âge sortant. Mais en parallèle, je suis chercheur, analyste, expert des questions de sécurité, de défense et de géopolitique de l'Afrique média et de la RDC. Et j'interviens régulièrement dans les médias internationaux quand il y a des questions qui touchent à la sécurité du pays. Faut aussi la voir comme ça, on te suit. J'interviens régulièrement aussi dans les médias nationaux et internationaux en tant qu'analyste sur les questions géopolitiques, sociopolitiques et de sécurité et de défense. Merci. Je suis aussi écrivain, auteur de 3 ouvrages sur les armées du Congo et sur la sociologie militaire africaine. Merci. Bomoni Mbok, hein? Le monsieur Otuko Samba, pensant à photo Yewana. Aza na Christian Malanga, oye otuko samba wana. Aza conseiller wana, aza na Christian Malanga. Hyundai, oye bomoni, hein? Bayaki na yango, eza ya ye. Le même monsieur, aza pe conseiller, nanini yeno magiba Francis Kalombo wana, yaza pe nakati. Bon. Allez, je comprends, mboka koma. Vous allez un peu menacé. Alors, vous avez des généraux Bazali, Batebeli Bazali. Nous, on attend voir. En réalité, Nani Bazali à la base, il y a Bilogo Nyon, Sonandenge Zali, surtout, travailler dans le sens Yakotombo, Kitaya Mboka, Pote Mboka Nabiso, et Kende Liboso. Tokoki vraiment koti kate ke batubaya kaba kosa tope bazo bakabiso sino to mi livre kana ba makambwana asamba ki ye mokote mwana pe ya Christian Malanga samba ki me rana mato yo ka l'anglais hein yo ka pa anglais donc to la d'abord oyo on va revenir juste après Christian Malanga. Christian Malanga. Okay. Il est en vie, il est décédé. Is in life or died? Deceased. Okay. Décédé. Il faut dire décédé. Il dit okay. Décédé. Décédé. Le nom de sa mère. The name for you, ma. Brittany Sawyer.
He is alive. Il est en vie. Il est de quelle nationalité, Louis? Can you give your nationality? American. Suis un américain. Il est originaire de quel état? What you original? The state. The state. Your state. Utah. Utah. Là-bas, il y a des préfectures, il y a... Lakes, Salt City. The city that I'm from, and I'm from, is Salt Lake City. Salt Lake City, Utah. State, Utah. Apparemment les avocats. Monsieur le Président, nous constatons que les terrains n'ont plus de la fête. Je crois qu'il faudra envoyer pour permettre aux finances de bien s'organiser par rapport à ça. Alors, oui, que Mboka Yango Wana, Bota la Koma, Tozali infiltré. Alors, nous on attend que le procès, mais déjà d'emblée, Boye Bake, la plupart na Bango, si vous avez dit que la na Bango, oui, le Bami. Peine de mort pour te battre mingé baye bayango. Alors prenez quand même boyoka une séquence il y a 5 ou 6 minutes comment va interroger bantomusus hein et on a bah un procès tout ça d'ailleurs on a première émission deuxième émission prenez quand même le temps banane union sur bazala qui est interrogé on a interrogé un bon nombre il y a bateau audition puis allez que continuer et cela mine en dolo tout le monde y est vraiment penza les kambango ils allaient en dehors il y a moi na il y a Christian Malanga bande mususu pe ba sambaki hein ba yoka qui pe bango par exemple américain ceux qui britanniques oyo et l'ongezongi normal hein pour azala que vraiment le bilu nonante Yepe ayaki pour être cela qu'un coup d'état à le bagage de mon coup d'état le mot salaire du sonné Bolanda payé. On va revenir juste après. Il est né en Utah aux États-Unis d'Amérique. Voilà le... la date. Which day? Your day. March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? Le 24 mars. 21st, 2021. Elle a 2001, excusez, sorry. 21st, right? Qu'il puisse reprendre. Come again. Mars 21st, non, le 21 mars. Of 2003, 21 mars 2003. Comment s'appelle son? So you can jot down just to make sure. Down, please. Donc c'est déjà compris. Le nom de son père. Yeah, jot down your death. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En vie ou il est décédé? Is he alive or deceased? He is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère? What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann
Higby. Le nom de ta mère, c'est Rebecca, mais la suite, là, je ne sais pas. Rebecca? Elle est en vie. She's alive? Yes, she's alive. Ta maman est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de l'Utah aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationality. I am American. Je suis américain. Il a quel niveau d'études? What is your degree? You have a degree. I do not have a degree. I just went to high school. But niveau académique. Il fait quel métier? Profession. What do you do in your life? I do construction. I build houses. La construction de maisons. Son code postal? Can you have your postal code? 8 4 0 0 8 8 1. Il est célibataire ou marié? Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. Do you have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse, il pourra également faire comme le premier. Hein? Comme ça, ça va nous parler. You want to give your address, or you're going to do that behind the scenes? Can I do that behind the scenes? Il va faire ça en aparté. Ok. Le troisième qui reste là. Il y a un souci, maître. Il faut venir quand les autres le font. Hein. C'est une autre étape. Faites-le rapidement. Qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de maître Djunga Nayohe, Rigen, du barreau de Kinshasa. Utilisez le micro, maître. Oui. Monsieur le président, qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de maître Djunga Nayohe Rigen du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Taylor. Merci maître. Conjointement avec maître Albert Lukoke du barreau du Congo central pour le même prévenu. Merci. Zalman, prends le micro. Tiens, take this. Interprète, tu peux être à côté maître, essaye de laissez la place à l'interprète. Okay. Son nom, en entièreté. What is your full name? Benjamin. Benjamin. Ruben. Ruben. Zalman. Zalman. Polin. Il est né où? Where were you born? Maryland, USA. Maryland, aux États-Unis. La date? No. Date. What's the day of the birth? 8. Le 8. 12. Décembre. 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Polin. En vue décédé? Is alive? Deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Kassa. Kassa. C'est pas jamais. C'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? Is alive? Yes. Elle est mort. Il est de quelle nationalité? Elle est en vie. Elle est alive? Yes. Elle est en vie. Elle est en vie. Elle est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Il est de quel état? From what state? I was born in Maryland, USA. En Maryland, aux États-Unis. Il a quel niveau d'études? You have a degree? Yes. Oui. Il a un niveau académique. What is your degree? Political science and business. Il a un niveau équivalent de licence en sciences politiques. Ok. Profession?
What il exerce quelle profession? What do you do in the last? Import, export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié et célibataire. Are you married? No. Non, il est célibataire. Il a des enfants? You have some children? Yes. Oui. Combien? How many children you have? Three. Trois enfants. Ok. Son adresse, on va le faire auprès du Christ. You want to get your address or no. Behind the scenes? Behind the scenes. Et il fera son aparté comme les autres. Voilà. Voilà. Est-ce que les trois, venez. Les trois là, qui passent là. Ma soeur ou le sien? Come, please. Est-ce qu'ils avaient réussi? Merci. Process continué. Tu vois la vérité, mes collègues de Koya. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, nous revenons. Le numéro Moussousou. Bye. RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.